Il y a aussi Brian. Pour vous, avec Flashy ce soir, oh oui. Et aussi Mick. Et AJ. C'est une nouvelle découverte. M6 Fun Radio, Dance Machine. We've got it going on. Voici Backstreet Boys. I got it. I talk with you after. Okay? See you later. Yeah, please. Whatever. Ah!
Oh my God. Les cinq petits prodiges américains des Backstreet Boys sont de véritables stars dans toute l'Europe. Dans la grande famille des boys bands qui compte des groupes anglais, allemands et français, ils sont les seuls représentants de la vieille Amérique. On n'avait plus vu de boys band américain depuis presque 10 ans et l'explosion des New Kids on the Block. Mais aux surprises, le producteur des Backstreet Boys, un certain Johnny Wright, était à l'époque le manager des New Kids. Aurait-il l'intention d'appliquer la même recette de succès 10 ans après? The New Kids were very successful. Les New Kids étaient très connus et c'est bien d'être comparé à un groupe qui a eu autant de succès. Mais nous pensons que notre musique et notre histoire sont totalement différentes. Détenteurs de tous les records, les New Kids ont vendu plus de 33 millions d'albums dans le monde. Et vous, comment vous êtes-vous formé? Par hasard. Une personne de notre maison de disques a montré à notre futur producteur Johnny Wright une vidéo où on chantait a cappella. Et à l'époque, c'était le manager de New Kids on the Block.